retrouve cette semaine pour travailler nos abdominaux, notre taille de guêpe. Et pour cela, nous avons besoin d'un petit essuie. Si vous avez un petit essuie ou un petit torchon, voilà. Après, on va l'utiliser pour glisser sur le sol. Donc, normalement, ça marche sur tous les types de sol, que ce soit le carrelage, le parquet. Voilà. Après, comme je dis dans toutes les séances, adaptez-vous, appropriez-vous la vidéo. Et donc, ben, si à certains moments, ça ne vous plaît pas, l'exercice de la variante que je propose, ben, faites un exercice de gainage ou un exercice qui travaille votre taille alternative. Je vous donnerai plusieurs propositions. Donc, n'hésitez pas vraiment à choisir ce qui vous convient le mieux. Ok, on va partir directement sur le tapis cette fois-ci. Et là, ici, hop, hop, j'enroule un petit peu mes épaules. Je fais une petite bascule du bassin. Je reviens. J'attrape mon genou gauche. Je fais une petite bascule du bassin, genou gauche. Je reviens. Et donc, ça va travailler un petit peu les obliques. Hop, bascule. Revenir, les deux, je bascule et puis je reviens, à gauche, je reviens, à droite, hop, je reviens, donc le niveau, okay. Inspirez, soufflez. Mes pieds derrière et devant, donc à chaque fois vous touchez le pied opposé, et puis main derrière et main devant, je pratique les abdominaux et j'essaie de garder mon dos le plus grand possible. Même chose, les genoux ne partent pas trop vers l'extérieur, mais reste bien dans l'axe. On y va encore vite. À gauche et à droite. Donc à chaque fois mes bras partent du côté du genou qui revient. Allez, on va pour 10, 9, 8, 7, ça commence à chauffer, 10, 5, 3, 2, et 1, ok, impeccable. Reprends ici mon essuie entre les genoux. Je me place et 10, 9, essayez de ne pas condenser avec 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et 1.
pied, mon étui, je décolle les épaules, j'essaye de faire des ciseaux. Donc on essaie que les ciseaux soient le plus bas possible. En fait, notre jambe est tendue, c'est le principal. Allez, à chaque fois, à gauche, à droite, travaillez les épaules. Et on y va. 10, 9, 8, 7, 6, 5, allez bien, 4, 3, 2 et 1. Vous pouvez tout à fait le faire sans l'essuie, ça marche aussi. Et tout de suite, dernier mouvement, donc c'est notre dernière série, inspirez, soufflez. On va faire une petite série bonus et je vous montrerai une alternative. Attention, ne perdez pas votre essuie. Allez, 5, 4, 3, 2 et 1. Ok, on est parti pour notre dernière série de ciseaux. Je rappelle, vous pouvez le faire sans problème, sans l'essuie. Allez, c'est parti, sinon on y va. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Ok, ici je vous propose une alternative. Donc j'attrape mon essuie et je vais une fois ramener les genoux, une fois tendre les jambes. Ramener. On est parti ensemble pour 10. Rentrez bien le ventre. Allez, 8. Gentiment. C'est pas parce qu'on va vite, on fait bien, donc faites-le à votre rythme pour que ce soit efficace. Vous pouvez même descendre ici avec votre palette. Allez, ensemble, on passe. Et hop. Inspirez, soufflez. Excusez-moi. Dernier exercice, je vous propose de faire une petite chandelle. Vous pouvez venir ici, ramener les genoux à la poitrine et gentiment essayez de serrer les fessiers, engagez vos abdominaux. Allez, 5, 4, 3, 2 et 1, je reviens, on étire un petit peu les jambes, voilà, jambes tendues, quelques secondes, ok, l'autre jambe, et cette fois-ci je vais me mettre au bord de mon tapis, mettez-vous bien au bord de votre tapis. Venez mettre votre essuie en dessous des pieds. Là aussi, je rappelle, l'exercice est tout à fait possible sans l'essuie. J'inspire, je souffle, je monte mon bassin. Et ici, je vais glisser et revenir. Stabilisez, plus vous irez loin, plus ce sera difficile. Essayez de garder le bassin vers le haut. Et encore. Inspirez. Soufflez. 10, 9, 8, 7.
devez le sentir très fort au niveau des abdominaux, au niveau des cuisses aussi. Et 7 et 6 et 5 4 3 2 Cette fois-ci, je vais faire seulement une jambe. Je monte, je tends les jambes, je reviens. Ok, on est parti. Toujours la même jambe. Essayez de ne pas vous tenir avec vos bras et tendre. Le bassin reste en haut. 10, 9, vous devez le sentir au niveau du dos aussi. 8, 7. 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Si vous le sentez, vous pouvez faire avec les deux jambes. Sinon, on part avec l'autre jambe. Je retourne, je change. Je dépose vertèbre après vertèbre, le bassin en dernier. Voilà, je replace un petit peu mon matériel correctement. Et ici, je vous propose de vous placer. On laisse l'essuie sur le côté pour le moment. De vous replacer donc ici sur le dos avec les genoux en angle droit. Donc mettez-vous sur le dos, les genoux en angle droit, les bras écartés. Et là, tout en gardant les genoux serrés, je bascule de gauche à droite. Vous devez le sentir ici au niveau des obliques. Hop, à chaque fois je reviens avec la force des obliques. Et le dos. Gardez les genoux serrés. Allez, très bien. Très bien. On y va pour 10. Et 9. 8. Inspirez, soufflez. J'espère que ça va chez vous. 3. Inspirez, soufflez. 2. Je reviens. Inspirez, soufflez. Dernière. Et je reviens. On pose un pied, l'autre pied. Et la petite variante, c'est je tourne. Et puis la jambe du haut part vers l'arrière et la jambe du bas ici. Ok? Tour. La jambe du haut vers l'arrière. La jambe du bas vers l'avant. Thank you.
2. Voilà. Et dernière série. Simplement basculer les genoux de gauche à droite. Contrôlez. Inspirez, soufflez. Je reviens encore. Inspirez, soufflez. Revenez, inspirez, soufflez. Revenez. Allez, ensemble, 5. Et 4. Allez, avec la force des abdominaux. Inspirez, soufflez. 3. Gardez les genoux serrés, revenez. Et 2. Et dernier. Voilà, impeccable. Je déroule une jambe, l'autre jambe. J'étire quelques secondes. Voilà, je passe sur le côté. Et comme vous savez, on n'oublie pas quelques gainages pour garder les abdominaux bien toniques. Donc ici, je vous propose de vous placer donc en position de gainage sur les avant-bras. Et donc, on va placer notre petite serviette ici devant. Donc là aussi, c'est pas comme ça. À vous de choisir la variante qui vous convient mieux. Donc soit vous venez ici et alors vous restez en gainage ici, soit vous êtes sur les genoux. Donc n'oubliez pas, la tête doit être dans le prolongement de votre colonne vertébrale. Voilà, moi j'ai tendance à être un peu courbée au niveau du haut du dos. Donc je vais faire attention de repousser les épaules. Et ici, déjà rien que là, en position de gainage à genoux, c'est déjà intense. J'inspire, je fais 2 et 5. Je pousse et je reviens. Je pousse et je reviens. Voilà, essayez de relâcher au niveau des jambes. Voilà, moi j'ai des petites crampes. Je fais doucement. Hop. Allez, on y va ensemble. 5. Et 4. Et 3. Et 2. Et 1. Et relâchez. On se laisse totalement. Relâchez un petit peu. Et cette fois-ci, je vais me replacer position de gainage sur les genoux. Placez-vous bien. Et cette fois-ci, je vais mettre mes bras au niveau de la serviette et glisser d'avant en arrière. Malheureusement, ici sur le sol, sans trop voir pas, ça glisse. Donc, je vais le faire sur les mains. Relâchez quelques secondes. Ok. Maintenant, si on a fait les deux exercices sur les mains, je vous invite à faire l'exercice de gainage sur les avant-bras. J'étends une jambe, l'autre jambe, et c'est parti. 10, 9, 8, 7.
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je relâche les genoux. Je vais reprendre ma serviette, mais cette fois-ci, je vais la mettre au bout. Et je vais faire un exercice de gainage au niveau des jambes. Donc, placez-vous, inspirez, soufflez, placez-vous en gainage, ramenez le genou, tendre, et puis ouvrir sur le côté. Ensemble pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, bien soufflé, 2, dernier, portez, je reste, repoussez, et 5, 4, 3, 2, 1, et posez les genoux, on change de côté, donc si vous souhaitez, faites l'exercice sur les avant-bras, donc cette deuxième série de gainage. Ici, ce qui est vraiment super important, c'est de bien faire l'exercice. Je ramène le genou, je tends, je pars sur le côté. Je reviens, je ramène le genou, hop, et ainsi de suite. D'accord? Je me replace. Inspirez, soufflez. Donc, n'hésitez pas non plus. Donc, quand vous êtes chez vous, de mettre des chaussettes antidérapantes ou à le faire à pieds nus pour avoir une meilleure préhension, une meilleure adhésion avec le sol. Inspirez. Et ouvre. À 9. Hop. 8. Hop. 7. Je vais enlever mes chaussettes. Ça me perturbe vraiment fort. 6, 5, 4, 3, 2, 1, je reste, 5, 4, 3, 2, 1, déposez. Impeccable. Je vais passer sur mon tapis complètement une dernière fois. Et là, on va enchaîner. Donc, on va enchaîner les gainages sur les avant-bras, gainages sur les mains. D'accord? Si vous ne souhaitez faire uniquement le gainage sur les bras ou uniquement sur les avant-bras, pas de problème, sinon on essaye de passer d'une position à l'autre. Ah, on y va. 1, 2, 3, je reviens, 4, allez, on est à la moitié, 5, je reviens, 6, 7, 8, 9, on y est presque, 10, et je reste, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, déposez, relâchez. Le gainage pour aujourd'hui est terminé. J'espère que vous avez bien senti vos abdominaux. Je m'excuse pour les petits moments où ça ne glissait pas bien, où j'ai eu des petits soucis avec mes chaussettes. Donc n'hésitez pas vraiment à refaire certaines séries qui vous plaisent, que ce soit avec l'essuie en avant ou l'essuie au niveau des pieds. N'hésitez pas à le faire, à vraiment sentir les exercices qui vous
suspendu bien au niveau de votre sangle abdominale. On va terminer par une petite relaxation ici pour un petit peu relâcher les abdominaux. Donc ici, ouverture des épaules. Voilà, vous êtes bien assis. Les mains vers l'extérieur. Je relâche, j'ouvre la poitrine. Yes. Impeccable. Et puis simplement, je vais me tourner. Voilà. Je vais mettre mes mains à la même place, mais aller dans l'autre position. Là aussi, n'essayez pas d'aller trop haut. Vous pouvez juste être ici. Voilà, rien que là, je sens que ça travaille énormément. Donc, je vais essayer les grands droits. Voilà, n'hésitez pas. Et puis sinon, si vous vous sentez, vous pouvez le faire. Mais vous ne devez surtout pas avoir mal dans le bas du dos. Donc essayez vraiment de ressentir ce qui vous convient. Ici vous devez ressentir au niveau du bas ventre, au niveau des abdominaux. Voilà, relâchez. Relâchez bien. Essayez de le faire complètement. Je vais me coucher. Je vais tendre un bras. Une jambe, allez chercher les bien loin, 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 loin. Voilà. Un peu de souffle. C'est difficile, un peu de limiter, c'est vraiment d'aller chercher loin avec la main et loin avec le talon. Je relâche. Pied à plat. Et à nouveau de l'autre côté. Donc, j'étire le bras. Les côtes et le dos restent, et le ventre reste bien sur le tapis. Et puis j'étire le talon. J'inspire, je souffle. Je relâche la pression. Je repousse. J'inspire, je souffle, je déroule vers la première vertèbre. Voilà, la nuque en dernier. Déroulez bien vos épaules qui ont été sollicitées. J'inspire, je souffle. Je peux baisser ma tête. Si je le souhaite, je tire un petit peu, mais sans vous faire mal, pour aller un petit peu étirer les trapèzes. Et puis de l'autre côté. J'espère que cette séance vous aura plu. Donc n'hésitez pas à refaire la séance pour vraiment avoir des abdominaux bien toniques. Et aussi, ben, quand on muscle ses abdominaux, on protège son dos. Donc, à bien renforcer les muscles de votre dos. Je vous dis à tous une bonne semaine et à très bientôt dans une prochaine vidéo d'abdominaux.